Sir Angela. Sir Angela. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ta femme. Où est ma femme? Je ne l'ai pas vue, ça fait déjà deux jours. Chérie, qu'est-ce qu'il y a, non? C'est quoi le problème? Jerry, un homme merveilleux et très aimable. Le genre d'homme que les femmes prient à Dieu de les envoyer. Tantine, j'avais vraiment beaucoup souffert. J'avais beaucoup souffert entre les mains de ma belle-mère à cause de ma stérilité. Je vivais en paix avec ma mère et mon mari. Des jours après des jours, lorsque le diable était venu toquer à notre porte. Mes enfants, comment allez-vous? Pourquoi vous me regardez ainsi? Je ne suis pas la bienvenue ici. Mais je n'ai pas préparé. Hein? Oh, je suis venue rester. C'est la maison de mon fils. Maman, bonjour. Comment était ta nuit? Jerry, bonjour. Bonjour, maman. Alors, Jerry, maintenant tu parles. Lorsque j'étais arrivée ici hier, toi, avec ton insensé de femme, celle qui n'a pas de sens, que tu as porté dans cette maison, vous ne m'aviez même pas dit un mot. Mais non. Et maintenant, aujourd'hui, tu viens me saluer. Maman, fais attention à ce que tu dis. Surveille ton langage. En tout cas, qu'est-ce que tu veux prendre comme petit déjeuner ce matin? Je veux prendre quoi comme petit déjeuner? Oui, je peux te faire ça. C'est toi, Jerry, qui va me demander ce que je vais prendre comme petit déjeuner? Où est cette insensée des femmes? Elle... N'est-ce pas elle qui doit me servir et non toi, Jerry? Non, pas comme ça! Et qui est cette folle de femme qui veut se faire remarquer et en train d'appeler ma fille insensée? Telle mère, telle fille. Donc cette sorcière qui a ensorcelé sa fille dans tous ses sens et même dans son ventre, et devant moi en train de me parler, c'est moi que tu viens challenger en faisant du bruit? C'est moi que tu appelles sorcière? C'est une sorcière! Entre moi et toi, qui est une sorcière? Ce n'est pas toi qui as séché tous les supermatozoïdes dans l'organe de ton fils? Hein? C'est pourquoi il n'arrive pas à rendre ma fille grosse. Mais et tu appelles ma fille sorcière? Que j'ai tué tous les spermatozoïdes dans les spermes de mon fils. Et alors, prends ta fille, une sorcière qui est incapable de mettre au monde celle que tu as captivée, et sortez de la maison de mon fils maintenant. Maintenant, yeah, je ne peux plus le répéter. Hein? Attends. Entre à l'intérieur, prenez vos affaires et sortez d'ici. Silence! J'ai dit sort de cette maison. Regarde-moi celle qui parle et qui est en train dehors. La personne qui doit être dehors, c'est toi. J'ai mon fils. Oui. Non, tu mens. Va te chercher un homme. Vous allez partir. Pour toi, un homme qui va s'occuper de toi. Partez. Trouve-toi un homme qui va t'épouser. Sortez. Va te trouver un homme. Hein? J'ai déjà arrangé une bonne femme pour mon fils. Elle va me donner des petits-fils. Et non m'amener un homme pour que mon fils épouse encore un homme. Sortez de chez moi. Peu importe. Vous devez partir. Ma fille ne quittera vous pas cette maison. Partir. Celle qui doit partir, c'est toi. Sortez. Va te chercher un homme qui va t'épouser. Non, aujourd'hui. Va te trouver un homme. Quittez. Eh, pars d'ici, trouve-toi un homme. Thank you.
qui est là. Moi qui suis Marcos, c'est moi qui veux l'essayer. Ces voyous qui se promènent n'importe comment dans cet endroit. Pour eux, c'est de venir frapper à ce portail. Donc ils n'ont rien à faire que de venir frapper à ce portail. Hein? Quelqu'un va me sentir. Quelqu'un va me sentir. D'accord? Je ne savais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'œuvre du diable. De quel diable parles-tu? Désolé, je ne savais pas. Pourquoi tu as pris? Tu viens de me parler de l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. S'il vous plaît, je ne savais pas. Je ne savais pas. Si je savais que c'est vous, pourquoi verser de l'eau sur vos sujets? Tous ces fous qui se promènent ici n'importe comment, j'avais pensé que c'était l'un d'eux. Alors suis-je comme une dérangée, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux me faire comprendre, n'est-ce pas ça? Je ne te blâme pas. Ce n'est pas de ta faute. Je suis désolée. Cherche-moi un truc pour m'essuyer. Apportez les bagages, chauffeur. Je ne les blâme pas, ce sont des insensés. Tout ce qu'elles savent faire, c'est manger la nourriture de mon fils. Prendre du poids et rester à la maison. Espèce de paresseuse de folle, elles n'ont même pas honte celle-là. Peu importe votre sorcellerie, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je prie que tu donnes à mon fils même un seul enfant. Comme ça mes ennemis seront confondus. Ils seront confondus. Tantine, mon mari était vraiment mon seul espoir. Il était toujours là pour moi au moment où j'étais vraiment en train de souffrir moralement. Gérer mon fils. Maman. Tu sais que je suis ta mère. Bien sûr que tu l'es. Et je ne peux pas te faire du mal. Regarde. Tu vois cette fille, Ngozi. Ngozi. Oui, Ngozi. Tu veux dire, Ngozi. Que lui est-il arrivé? Rien du tout. Écoute-moi seulement, hein. Ngozi est une bonne fille.
Elle est très intelligente et mature. Elle est très calme. Et elle a un bon corps d'une femme. J'aimerais qu'on aille l'épouser. Elle peut être une bonne femme pour toi. Maman, arrête. Arrête ça. Ne me dis pas que tu es sérieuse. Pour ton information, j'aime ma femme. Et personne ne peut nous interposer. Jerry, c'est cette imbécile que tu appelles femme. J'aime ma femme. Tu dois l'aimer, non? Tu dois l'aimer parce que tu l'avais épousée. N'est-ce pas ça? Elle t'a ensorcelée. Voilà pourquoi tu l'aimes. Maman, c'est Dieu qui donne l'enfant et non l'être humain. Je sais. J'aime ma femme. Je sais. Personne ne viendra, pas même toi, maman. Ou la soie non mingozi. J'ai besoin de mes petits-fils. Jerry, j'ai besoin de mes petits-fils. Ce n'est pas lorsque je vais mourir que tu vas mettre au monde mes petits-fils. Je sais que c'est Dieu qui donne les enfants. Mais Jerry, moi j'aime ceux qui sont violents et qui se battent eux-mêmes. Jerry, bats-toi s'il te plaît. Je t'en prie. Ngozi est une bonne fille. Et elle est de mon clan maternel. Tu peux accepter tout ce que tu me disais, mais épouser Ngozi. Tu as absolument tort. Ça, Jerry. Je ne peux pas et je ne le ferai jamais. Jerry. Laisse-moi parler, écoute-moi. Tu dois. Bien, j'en ai fini avec cette discussion. Tu dois. Parce que tu dois épouser Ngozi pendant que je suis en vie pour que tu me donnes des petits-fils. Tu dois épouser Ngozi. Ce n'est pas qu'après ma mort que je vais me donner des petits-fils. Non, pas comme ça, Jerry, je ne veux pas de ça. Donne-moi mes petits-fils, s'il te plaît. N'importe quoi, j'ai fini avec toi. Va épouser Ngozi et donne-moi mes petits-fils. Remets-moi, remets-moi ma fierté. Oh, remets-moi ma fierté, je te dis. Arrête. Remets la vie. Elvis, arrête. Ah, s'il te plaît. Remets-la-moi. Remets-la-moi maintenant. Ah, Elvis, idiot. Non. Idiot, tu es folle. Non, laisse-moi. Tu es malade. Oh mon Dieu. Tu es folle. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Arrête. Idiot. Arrête. Elvis, non, 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 non. Tu es folle. Ah, laisse-moi. Tu es folle. Jésus-Christ. Aïe. Qu'est-ce que je veux faire? Je suis vraiment foutue. Hey, mon Dieu. Neka, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ne, comment vas-tu? Es-tu enceinte? Pourquoi demandes-tu? Réponds à ma question, es-tu enceinte? Je t'ai vu dans mon rêve. Et dans ce rêve, les gars voulaient vraiment t'étrangler. Te demandant de lui remettre sa fierté. Et il n'y avait personne pour t'aider dans ce rêve. Alors je te conseille, donne à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Neka, ok d'accord, je vais te rappeler un moment. Bye. Ah, oh mon Dieu. Ça c'est un débandade. Qu'est-ce que je veux faire? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je veux faire? Je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Chérie, ce plat est le plat le plus délicieux que je n'ai jamais mangé. Tu l'as préparé toi-même? Oui, je l'ai fait. Avec l'aide d'Ngozi. Waouh! C'est délicieux. Maman? Ah. Mon fils. Maman?
C'est ce que tu étais en train de chanter ici et acclamer que c'est très bon, hein? Sans effet, je ne mange pas ce genre de nourriture. Regarde ce que tu as préparé et tu vas me le donner pour que je mange. Hein? Tu veux m'empoisonner dans cette maison? Ça ne marchera pas pour toi, sorcière. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne mange pas ça, hé. Chérie, bébé, fais pas attention, t'inquiète pas. Ouais, qu'en est-il de ma belle-mère? Où est-elle? Bébé, elle est dans la cuisine, elle arrive. D'accord, crois-moi, ce repas est délicieux. Il y a des gens ici qui doivent aller voir les dentistes. Probablement pour qu'ils leur donnent un bon dentifrice, pour qu'ils nettoient bien leur bouche, pour que leur corps entier continue de bien fonctionner. Madame, s'il vous plaît, vous voyez, ce qui s'est passé le jour là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, ou c'est l'œuvre du diable. C'est pourquoi je vais vous supplier, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Ma cote, je suis pas en colère contre toi, ok? Tout est déjà fini, je me sens bien maintenant. Non, attendez un peu, non, vous êtes trop pressé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez, il y a quelque chose que je veux vous dire, mais vous allez me promettre que vous allez le faire, ou que je le dise. Je suis désolée, je peux pas te promettre ce que tu n'as pas encore dit. Je ne peux pas, mais vas-y, parle, si je pourrais, je te dire. Non, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour moi, vous pouvez le faire pour moi. Ok, vas-y, dis-le, je t'entends. D'accord, donne-moi votre téléphone. Es-tu sérieux que je te donne mon téléphone? Je ne te donne pas si tu ne me dis pas ce que tu veux faire avec mon téléphone. Pourquoi tu en veux? Ne vous inquiétez pas, donne-moi seulement le téléphone, je vais l'utiliser pour faire quelque chose. Écoute-moi, hein? Si je ne me dis pas la raison pour laquelle tu veux mon téléphone, je te le donne pas, alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Alors fiche-moi la paix, je t'en prie. C'est ce que je veux faire avec. C'est là le truc que j'ai joué. S'il vous plaît, donnez-moi votre téléphone, je vais vérifier si j'ai gagné, parce que c'est peu que je gagne. Marcos, hein? Tu n'es pas sérieux. Ah, je ne suis pas sérieux. Marcos. Patron. Mais Junon, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi dors-tu à cette heure de la journée? Vous savez que... Épargne-moi de tes alibis. Va vérifier qui est au portail. Quelqu'un frappe depuis un moment. Va vérifier qui est là. Désolé, patron. Oga James, je suis fatiguée. Mmh. Je suis fatiguée de cette sorcière qui s'appelle ma belle-mère. Hey! Ah ah! Elle ne me laisse pas en paix dans la maison de mon propre mari. Hey! Ça veut dire quoi ce nom? Elle est la seule qui souffre de mon infertilité. Hein? Francisca, qui fais-tu maintenant? Francisca, pourquoi tu te réveilles maintenant? Francisca, tu devrais avoir un bébé dans tes mains maintenant et lui dire: bébé, arrête, tout ça à cause de Francisca, Francisca. Ah ah! Oncle, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Je vais lui donner une très bonne leçon. Je vivais en paix avec ma mère et mon mari avant qu'elle ne puisse arriver chez moi. Et qu'est-ce que ton mari dit par rapport au comportement de sa mère, hein? Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Oncle James, tu demandes comme si tu ne connais pas mon mari. Il est toujours présent, mais il ne dit rien à personne à la maison. Il me retire là juste lorsqu'elle commence à faire ses bêtises. Et qu'en est-il de ta mère? Ma mère? Deux fois, elle ne dit rien. Mais si ces jours-là seulement, elle se réveille de mauvaise humeur. Elle parle, elle se querelle toute la journée ensemble et personne ne peut les interdire. Tu la connais très bien. Tu dois juste les supporter. Parce que elles ne sont que fatiguées. Hmm? En fait, fais en sorte de ne pas l'affronter. Peu importe la provocation, hein? Juste essaye de l'éviter.
Évite-la vraiment. Par contre, montre-lui l'amour. Et fais un effort de remplir tes devoirs en tant que femme envers ton mari. Il n'y a pas de problème. Je t'ai entendu. Je t'en prie. Merci. Ce ne sont que des tentations. Merci. Tu as vraiment tapé au point. Ça me va droit au cœur. Désolé, monsieur. Désolé. Ngozi. Monsieur. Laisse-y, reviens quand je quitte ici. Ok. Désolé. Non, ça va. Je pars déjà. Que fais-tu? Bonjour, patron. Bonjour. Rien, j'étais seulement en train de vérifier si... Qu'est-ce que tu es là? Vérifier quoi? Si j'ai gagné. Makos, j'espère que tu ne dépenses pas tout ton salaire pour ça. Ah, patron, je suis dingue. Je dépense seulement un peu de mon salaire pour jouer ceci. Je ne peux pas le donner tout mon salaire. C'est pas facile. Patron, il y a quelque chose que je vais vous dire, mais je ne sais pas si vous êtes pressé pour partir. Vous voyez, depuis que je travaille ici avec vous, j'observe beaucoup de choses. Je sais comment est la situation entre vous et madame. La chose me dérange, Je faisais même le plan de retourner chez moi. Mais je me suis dit qu'il faut patienter parce que sûrement un jour, je vais retourner là où je suis venu, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose que... Dis-moi, je t'écoute. Vous voyez, une femme qui n'a jamais donné d'enfant, vous voyez, ce n'est pas toujours facile pour elle. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, il faut que je vous le dise. Vous voyez, il faut vous patienter. Vous voyez, Dieu est en haut. Il sait ce qu'il fait. Hein? Le jour, il va se souvenir de vous. Hein? Il va vous donner beaucoup d'enfants. Et là, vous allez vous réjouir vraiment. Hein? Donc, patientez-vous. Hein? En tout cas, la vérité dans tout cela est que j'aime ma femme et je prends tellement soin d'elle. Et je ne la laisserai pas partir, juste parce que nous n'avons pas d'enfants. Elle est tout ce que j'ai. Elle est mon univers. Prends cet argent. Ma femme dit qu'elle veut prendre de la salade pour le déjeuner. Donc, aide-moi à lui chercher ça, s'il te plaît. D'accord. Je pensais que vous vouliez me donner de l'argent. Voilà. On se verra après. Pas de problème, monsieur. D'accord, venez. Oncle James, c'est que je venais te dire aujourd'hui... Ok, vas-y. Il y a quelque chose autour de ma maison. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je suis pas en train d'insinuer quelque chose, oncle James. Je veux juste dire que... Je suspecte que mon mari a une liaison avec ma bonne. Tout ce que tu es en train de me dire, tu te bases sur quoi en fait? Non, c'est juste que... Il y a une amie à moi qui m'informe de fois que mon mari est à la maison. Pendant que moi, sa femme ne sait même pas que mon mari est déjà à la maison. As-tu pris cette conclusion te basant sur ce que ton ami t'a dit? Tu dois vraiment être prudente, très prudente alors. Bon, en fait, laisse-moi te demander. Quand ton mari et toi sortiez ensemble,
ou pendant la période de vos fiançailles? Était-il un coureur de jupons? Non, Oga James. Mais tu sais que mon infertilité a aussi pris beaucoup de temps. Alors beaucoup de choses ont changé. Tu présumes beaucoup. Et beaucoup de présomptions. Tu les relations plus que tout au monde. Alors que dois-je faire? Oga James, je n'ai pas envie de perdre mon mari. Prie. Mais n'ose jamais lui parler de ceci. Et développe les oreilles des morts. Ouais. Mais rassure-toi d'ouvrir grandement tes yeux. Sois sage, ma fille. Sois sage. Sois sage. Merci, Oga James. Je ne me sens pas très bien en ce moment. Laisse-moi t'aider. Je pourrais bien t'aider. Désolée. Hein? Je ne me sens pas très bien. J'ai mal à la tête. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau et de l'aspirine. Ok. J'arrive alors. C'est ça, monsieur. Merci. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que vous voulez. Laissez-moi vous relaxer. Ne vous inquiétez pas, hein? Oh, désolé. Vous voyez, je dois prendre soin de mon boss, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Hein? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quelqu'un peut entrer ici, non? Personne n'est à la maison. Personne. Stop! Calme-toi! Il n'y a rien! Ce n'est pas juste une bonne place pour ces choses. Calme-toi. Ok. C'était une adresse. Ok. Va tout droit, c'est ton. Je vais t'attendre. D'accord. C'est sûr, je vais venir. Arrête! C'est délicieux. C'est ma joie de cette nourriture. C'est bien, cette sauce, hein? C'est bien doux. Marco! 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 Patron, vraiment, hein? Quelqu'un mange! Vous n'allez pas laisser la personne manger à sa satisfaction. Marcos, Marcos, Marcos! On mange, je vais manger d'abord. Où est-ce que je t'ai demandé de m'emmener? Peu importe. Tantine, c'est comme si je vais vraiment mettre fin à mon mariage. En quoi? Le diable est un menteur. Dieu ne permettra pas que cela arrive. Tantine, la colère était énorme en moi.
énorme. Mon Dieu, je prie juste qu'ils acceptent ce bébé. Je t'en prie. Mon Dieu. En fait, Elvis m'aime autant. Il m'aime, je sais. Je suis vraiment sûre, oui. Calme-toi, calme-toi. Arrête de pleurer. Tu as pleuré depuis que tu es venu ici. Pourquoi ne pas t'ouvrir à moi? Dis-moi, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec toi, s'il te plaît? Aïe. Oh, gardien, c'est ce que je t'avais dit. Tu ne m'avais pas cru, tu disais que j'étais en train d'inventer les histoires moi-même. Tu vois maintenant ce qui est arrivé? Hey! Dis-moi, en fait, c'est quoi le problème? Dis-le-moi. Oh gars, j'étais en train de sortir le matin. Mmh. Et j'avais oublié un truc à la maison. Mmh. Et lorsque je suis retournée à la maison, tu ne vas pas y croire, oh gars. Hey. Quoi? Dis-moi. Simo, j'avais entendu Ngozi en train de dire à mon mari qu'elle est enceinte de lui. Hey! Enceinte? Hey, c'est une mauvaise nouvelle. Hey, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Hey. Qu'est-ce que j'ai fait à Ngozi pour qu'elle me ravisse mon bonheur? Oh mon Dieu! Pourquoi seulement mon mari? Pourquoi? Ça, c'est... Écoute, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Il doit y avoir quelque chose de mal quelque part. Elle n'est pas seule. Elle ne travaille pas seule. Il doit y avoir quelqu'un derrière elle. Alors, il y a quelque chose de louche quelque part. Ogadjam, je n'arrive pas à te comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. Comment peut-être se réveiller un bon matin et décider de t'arracher ton mari? Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne lui ai rien fait de mal. Pourquoi ce mot mon mari? Pourquoi? Tu dois faire ceci. Monsieur, bon, en fait, nous parlons français, mais nous devons aussi apprendre à privilégier nos langues maternelles. Vous savez, aujourd'hui, nos langues maternelles n'ont plus de la valeur. C'est... Alors, quelle disposition, ma femme et moi? Allons nous prendre. Vous et votre femme ont un grand rôle à jouer. Genre, quand vous êtes à la maison, vous devez vous communiquer avec nos langues maternelles. J'aurais préféré que vous les mettiez vraiment en pratique. Ça sera mieux que vous en parliez. Elle doit comprendre que ce sont nos langues maternelles. Et elle doit être contente de parler nos langues maternelles, peu importe où elle se trouve. M'avez-vous compris? Tu as raison, tu as raison. En fait, ma femme et moi devrions être blâmés pour ça. Car nous ne communiquons qu'avec elle, ici à la maison, qu'en anglais. Ok. Mais, à partir d'aujourd'hui, nous allons essayer de communiquer avec elle en Igbo. Pas seulement ma femme et moi, mais aussi tout autre invité qu'on aura. Je pense qu'en faisant cela, avant la fin de ce trimestre, elle évoluera. Waouh, c'est bien, j'ai beaucoup aimé. En effet, je crois que je dois déjà partir maintenant. D'accord. Je dois m'en aller. D'accord, ma chère. Je t'en prie. Hein. Nous sommes reconnaissants. Ok, monsieur. Merci. D'accord. Prends soin. D'accord, merci. Chéri, mon fils. Maman. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée de la manière dont je t'ai parlé la fois dernière. Ce n'était pas intentionnel. Ta mère m'avait vraiment énervée au point que je ne pouvais même plus me contrôler. S'il te plaît, pardonne-moi. Ça va, maman. Je t'ai pardonné. Ça vient de ton cœur. Depuis même. Du fond de ton cœur, tu dis. De mon cœur, maman. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Tu vois, hein, mon beau-fils, je ne cesserai pas de prier Dieu pour toi. Le Dieu que je sers, il continuera de te bénir. Amen. Nous finirons par avoir un bébé garçon et un bébé fille dans cette maison. Je continue de prier pour toi, matin,
midi, soir. Merci, maman. Mon Dieu va te bénir. Merci, mon Dieu te bénira. Merci, et va continuer de te bénir. Merci, maman. Jerry, mon fils. Maman. Je sais que je vais rester longtemps chez toi. Je vais rentrer chez moi pour savoir comment évoluent les choses. J'ai déjà fait beaucoup de temps avec vous ici. Maman, oublie ça pour le moment. Ah. Tu dois encore rester avec nous. Jerry, j'ai fait de mon mieux. Je veux tout simplement avoir un peu de temps pour discuter avec ma femme. Pour voir comment mieux prendre soin de toi. Non. Maman. Oublie tout ça. Je suis restée avec vous pendant longtemps, non? On a besoin de délire. Jerry. Tu dois encore rester ici un peu. Ah, tu veux que je grossisse au point que les gens ne me reconnaissent plus, hein? C'est mieux qu'ils disent que maman a pris du poids maintenant. Oh, tu veux me retourner en Fatima. Maman. Ngozi. Oh mon Dieu. S'il te plaît, donne-moi la sagesse pour gérer cette grossesse. Je t'en supplie, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas ce que je peux faire. Ngozi, j'ai tout fait pour toi. Je t'ai traité comme ma propre sœur. Je t'ai ramassée dehors. J'étais vraiment soignée comme une vraie femme. Et ta façon de me remercier est d'aller coucher avec mon mari. Pourquoi? J'ai dévancé. Par qui? Par qui? Par ta belle-mère. Par ta belle-mère. Par ma belle-mère? Ça, c'est vraiment énorme. Ma mère ne va pas tolérer cet acte. Alors, comment ce jeu a été planifié? Vas-y, réponds-moi. Te chasser de la maison et faire de moi la femme du patron. C'est vrai? Alors, pourquoi n'avais-tu pas refusé? Pourquoi avais-tu accepté? Elle m'avait parlé de mon passé. Elle m'avait fait du chantage. Elle m'avait dit... En fait, elle m'avait dit que... Elle va me tuer. Hein? Moi, je n'avais pas envie d'être tuée. Madame, c'est pourquoi j'avais accepté, oh. Maman n'arrêtera pas sa théâtre. C'est ok. Arrête de pleurer. J'aurais appris que mon mari t'avait donné l'argent pour avorter ce bébé, c'est ça? Ne le fais pas. Que voulez-vous dire? Moi, mon mari semble stérile il y a beaucoup d'années maintenant. Et maintenant, tu es enceinte de lui. Tu dois garder cet enfant. N'ose pas vraiment l'avorter. Alors, je vais te faire un transfert d'Emlon Nera. Oui. Alors, je te donnerai l'adresse où tu iras chercher ta maison. Merci. Je veux commencer à venir te visiter de temps en temps. Merci beaucoup. Tandis que Dieu vous bénisse. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup. Non. Que Dieu vous bénisse énormément. Tu es enceinte. Je ne sais même pas, comment te stresser jusqu'à ce point. Chérie. Hé, chérie, comment ça va? Je vais bien. Bébé, ça va toi? Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Je vais aussi bien. Merci. Tu es venu avec un sac, c'est quoi le problème? En tout cas, je te dis tout. Nous devons commencer à nous apprêter parce que je suis enceinte de toi. Quoi? Oui. Tu es enceinte de moi? On vient par ici, chérie. C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Je pense qu'on a célébré cette bonne nouvelle. Oui. T'es mon bébé. S'il te plaît, on a un petit problème maintenant. Qu'y a-t-il? Nous devons quitter le pays maintenant. Tu dois venir avec moi. Attends, je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. On est censé célébrer. Pourquoi devons-nous quitter le pays? Ok, laisse-moi te demander. Si seulement nous devons quitter le pays, où vais-je trouver l'argent pour qu'on voyage? Comment peux-tu me donner l'information maintenant et où allons-nous exactement? Chérie, tout est déjà prêt. Tout est déjà préparé. Arrange tes affaires et quittons d'ici maintenant. On doit partir. Je ne comprends pas. On n'a pas de temps, s'il te plaît, chérie, non? Regarde, je ne comprends pas pourquoi tu dois venir dans ma chambre me demander de me préparer pour quitter le pays pendant qu'on est censé célébrer cette bonne nouvelle de ta grossesse.
Ça mérite une célébration, ça. Oui, ça ne dérange pas, chérie, s'il te plaît. Ce qui est sûr, en bas des affaires, on doit quitter ici, je t'en prie. On doit partir maintenant. On n'a pas de temps, je t'en prie, chérie, s'il te plaît. Vas-y. Ok, pas de problème. Mais tu as beaucoup à m'expliquer. Oui, je le ferai, chérie. Ok, c'est bon, je m'apprête. Ça, je vais tout faire. Ngozi. 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 Sorcière, où est cette fille? Maman, j'en ai marre de tes bêtises dans cette maison. Hein? Tu ne me laisses pas vivre mon mariage en paix. Hein? Écoute-moi très bien. Le temps où je finirai avec toi, on quitte cette maison. Penses-tu que j'ai peur de ces couteaux? Ça, c'est la maison de mon fils et je ne quitterai pas d'ici. Penses-tu que j'ai blague? Oui. Quitte la maison de mon mari maintenant que je te parle. Oui, vas-y, sors de ma maison. Calme-toi. Bouge d'ici, sors. Je te demande de partir. Oui, je pars maintenant, oui. Va-t'en. N'importe quoi. Cela me rappelle. Chérie, as-tu reçu le résultat du laboratoire? Oui, j'étais à l'hôpital aujourd'hui. Et qu'est-ce que le résultat dit? Devine. Tu sais que je ne suis pas doué pour le deviner. Mais tu dois essayer. Ok, les résultats ont dit que je suis enceinte. Dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Je suis sérieuse, bébé. Dis ça encore. Deux mois. Oh, mon Dieu. Finalement, je peux dire Dieu merci. Un sourire au visage. Oui. Mais c'est d'abord un bébé fille. Si c'est ce que tu veux, moi... C'est vrai. Je remercie Dieu après tout ce que nous avons traversé dans la vie. Nous avons finalement triomphé. Bébé, tu sais quoi? Dans ma prochaine vie, je demanderai à Dieu de ne me donner que toi comme mon mari. Parce que tu es très bon. Et dans ma prochaine vie, je préfère rester célibataire plutôt que d'épouser une autre femme à ta place. Voilà pourquoi je t'aime beaucoup, tu vois. Ouais, et tous ceux-là qui t'insultaient devraient avoir honte en ce moment. Ah, bébé, pourquoi je te réfère à ma belle-mère? Pas vraiment. Dans toutes les conditions où l'on se retrouve dans la vie, on doit vraiment prier. Et être aussi patient, en sachant qu'aucune condition n'est permanente. Oui. Je dis merci à Dieu pour t'avoir dans ma vie. L'amour surpasse tout. Je t'aime. Je t'aime aussi. Voilà comment on avait perdu notre premier enfant, après plusieurs années de stérilité. Je n'oublierai jamais ces jours. C'était une expérience vraiment horrible. Chérie? Oui, cœur. Je pars pour le boulot. Ok. Ok, s'il te plaît, viens fermer cette bouteille et enlève-la d'ici à cause de Mickey. Ok, il n'y a pas de problème, je vais le faire, mon amour. À plus tard. Bye. Je t'aime aussi. Mon fils! Qu'est-ce que je me suis fait? Qu'est-ce que je me suis fait? Hey! Monsieur le docteur, docteur. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous me demandez de me calmer? Où est ma femme? Monsieur, elle est partie juste après avoir appris la nouvelle. Monsieur,
Sœur Angela. Sœur Angela. Ah, Jerry, qu'est-ce qu'il y a? Ta femme? Où est ma femme? Je ne l'ai pas vue depuis, ça fait déjà 2 jours. Jerry, qu'est-ce qu'il y a, non? C'est quoi le problème? Oga James, je t'ai venu te remercier pour toutes choses que tu as eu à faire pour moi. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas à me remercier. Tu es une femme si merveilleuse. Hmm? Je ne sais même pas comment commencer. C'est juste pour te remercier. J'aimerais juste faire une prière à Dieu. C'est qu'il te garde toujours en vie. Merci énormément. Je te remercie aussi parce que tu es une femme si merveilleuse. Mon Dieu te protégera. Amen. Et te bénira. Amen. Dieu protégera tes allées comme tes retours. Amen. Tu seras une bénédiction pour les femmes comme toi. Amen. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Amen. Et tu seras une bénédiction pour des générations. Amen. Alors, merci. Garde le cap. Merci beaucoup, hein? Oga James. Qui est celui-là? Qui frappe au portail comme ça? Est-ce que la personne est dingue? Tu veux faire tomber le portail? Attends, oh. Si le portail a tombé, tu vas le réparer, oh, avant que je le quitte ici. Tu m'attends? Et s'il a une rayure sur le mur, tu vas le peindre. Là, tu sauras que je suis Marcos. Mais c'est mon bureau ici. Tu n'es pas là ou quoi? C'est le patron. Patron, un problème? Est-ce que ma femme est de retour? Madame est perdue. Où est ma femme? Madame est de retour? Elle est perdue. Patron. Vous voulez sortir comme ça? J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Vous venez juste de rentrer et maintenant vous voulez encore ressortir. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien maintenant. Attendez, madame. Est-ce que madame sait que vous ressortez? Marcos, quel est ton problème? Est-ce que tu vas bien? Patron, attendez. Je sais pourquoi je demande au... Patron, je sais pourquoi je demande. Comment pourrais-je oublier Oga James? Il est une bénédiction. Un homme rempli de sagesse. Que pourrais-je faire dans cette situation sans lui? Oga James est vraiment un Salomon de notre époque. Que Dieu le bénisse pour moi. Que Dieu le bénisse.